Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle séance de Gameology. Bonjour à tous, Gérard. Bonjour à tous, Johan. Il y a le sourire en coin, qu'est-ce qui se passe? Bon, attends, je suis heureux, quoi. Je suis testeur de jeux vidéo. On me paye pour jouer à des jeux. Attends, c'est quand même un des métiers les plus cools du monde. En même temps, normal, je suis cool à la base. Je suis rappeur, je suis chanteur, je fais des concerts devant des milliers de personnes. La musique, ça m'a amené au Japon. Je dirais, ça, c'est un métier vraiment cool. En plus, dans le groupe, c'est moi qui faisais les designs des pochettes, tout ça. Je suis un peu graphiste, quoi. Tu sais, le métier qui plaît un peu aux meufs, graphiste, branché et tout. Je fais les métiers les plus cools du monde. Voilà, je suis heureux. Et en plus, je vais te dire un truc. Il y a un métier que je fais pas qui est vraiment cool, c'est skater pro. Mais je pense qu'il n'y a pas grand chose qui me différencie d'un skater pro. Hein, c'est quoi la différence entre moi et un skater pro? Bah, honnêtement, ouais. 25 kilos. Bah 25 kilos, bah ouais mon pote. Bah c'est ça, 25 kilos de trop, hein. Pas de moins, ou alors 10 ans. Ouais, 10 ans de moins. Mais je te rassure, parce que la NASA, il y a un petit espoir. Tu sais qu'ils sont en train d'étudier une planche pour faire skater les gros. Mais c'est sur la Lune, hein. Parce que sur Terre, ça va être un petit peu difficile. Je te rappelle que je suis Gérard Bast. Ouais, alors je te rappelle que t'étais Gérard Bast, mais que t'as plus de groupe. T'es tout seul, en solo. Et puis t'as plus beaucoup de chansons non plus, hein. Quand est-ce que c'est la dernière que t'as écrite? Ouais. Bon, écoute Yohan, je suis super déçu, parce que tu vois, je comptais te faire rentrer dans ma team. Mais t'as pas de team de skate, tu sais pas skater! Mais si, je sais, et j'ai une super team, je te la montre tout de suite. Alors, je t'avais dit qu'on était une team, on n'est pas une team. Oh, les cadors, on est une vraie équipe. C'est pas vrai. Team Gameology dans Skate 3. Ça, c'est une belle surprise. Ah, c'est toi qui as fait ça? Ouais. Oh là là. Je me suis fait chier, éditeur de logo. T'as ce mec-là, je l'ai rencontré. Il était à peine capable de taper avec deux doigts sur un clavier. C'est vrai en plus, c'est véridique. Mais je savais déjà utiliser un éditeur de logo, je le faisais déjà pour les bagnoles, etc. Voilà, donc aujourd'hui, on essaye Skate 3. Et je suis très content de faire parce que j'ai déjà fait le 1 et le 2, j'étais content de vous passer au 3. C'est toujours à première vue le même jeu, toujours le même moteur graphique, etc. Ouais. Donc bah, nous voilà aux commandes de notre planche soir. À roulettes. Je parle de toi, excuse-moi, mais il s'est mis à parler de lui au début de l'émission, tu parles de toi. Parce que là, tu nous as fait des logos à tirer à l'arigot Gameology, mais toi, ton truc, c'est plus les Lego. Bah, c'est vrai que je suis plus Lego. Collectionne les Lego. J'aime bien les logos aussi. Alors, le plaisir de ce Skate 3, c'est de pouvoir justement monter une équipe. Et d'être en équipe avec sa propre marque, on crée sa marque, on crée sa bande, on fait des vidéos, ça c'est vraiment cool. J'ai commencé par une petite course pour pouvoir le faire à deux, et je te préviens que tu es numéro 1. Là tu ne joues pas et pourtant tu es déjà... Oh, tu sais flatter. Tu es déjà en première place, alors tu n'as pas de manette dans les mains, je reconnais bien ton côté gameologue là-dedans. Tu sais flatter un homme qui aime être flatté. Voilà, qui aime qu'on caresse dans le sens du poil. Et même dans l'autre. Pourquoi pas. Alors, quelle est la différence avec un Tony Hawk? Parce que moi, j'en suis resté un peu au Tony Hawk. Il faut savoir que donc Electronic Arts a lancé cette licence pour concurrencer un peu Tony Hawk. Tony Hawk qui était un jeu très arcade, très irréaliste. Et là, c'est censé être un jeu de skate réaliste. Alors, réaliste, avant de faire des super figures comme ça à une telle vitesse, à mon avis, il y a quand même du level. Mais c'est un gameplay qui joue avec les boutons, enfin les manettes comme ça. Donc, quand on fait par exemple un ollie, on se baisse et hop, on saute. Okay. On n'utilise pas les boutons comme ça, etc. D'accord. Et on fait pas de saut incroyable de 15 mètres de haut comme dans Tony Hawk. On peut en faire un petit peu. Bon, ça c'est intéressant. Voilà. Gameology a perdu. Bah, on s'y attendait un petit peu. On s'y attendait, ouais. Oui, tu m'as déconcentré. Tiens, bon, en attendant, pendant que tu fais, qu'est-ce que tu fais après? C'est un monde ouvert, on peut se balader? C'est un monde ouvert, enfin c'est une ville avec trois zones ouvertes. C'est un peu le principe de skate. Alors, ça fait trois fois qu'ils nous font le même jeu. Ils ont révolutionné un peu le genre en faisant ce jeu-là. Là, c'est toujours pareil. Donc, en gros, plein de petites figures, des touches pour attraper la planche. On tourne sur soi-même, on fait des courses, on fait des balades. Il y a plusieurs modes assez rigolos. On appelle ça des tricks, là, les... Des tricks, alors, ouais. Effectivement. On a une grosse panoplie de tricks. Ouais. Ouais. Et en particulier, une tripotée de flips. Ouais. Alors, des hippie flips, des shadow flips, pas de flip kangourou. Très bon, très bon. Voilà, non, pas encore. Et toujours, voilà, une tripotée d'Oli. Alors, moi, ma figure préférée, je le dis toujours, c'est le pipi Oli. Il est bien.
Il est bien. Et il y avait un truc qui s'appelait le Madonna aussi, le Holy Madonna, un truc comme ça C'est possible. Et le Maradona, le Maradona alors, aussi. Par exemple, là, regarde, ouais. Un skateur vient de me bousculer. Ça m'a énervé. Je descends comme ça. Je prends le premier passant qui traîne. Et puis, je fais, qu'est-ce que tu veux, toi? Oh la vache, oh sa raquette, oh la castagne, Gérard la castagne, oh putain, oh là, ça ne sert à rien. Oh Gérard la castagne. Mais ça défoule. Ça défoule un peu, elle t'avait fait quoi? Rien finalement. Oui, c'est ça qui est bon. Voilà, donc pas beaucoup de nouveautés hein, à part ce délire de team. Ouais. C'est assez drôle. Mais un truc pas mal et que je vais essayer de vous montrer tout de suite, il y a les fameux shadows, les dark flips, les dark slides, qui consistent à mettre la planche à l'envers. Oh pas mal. Là. Oh bien attends. Réussi. Bien réussi. Ah, ça, les mecs le font en vrai. J'ai eu chaud, ouais. Alors moi, j'ai commencé à skater petit. Je faisais du skate quand j'étais petit. Moi, c'est toute ma vie aussi, le skate. Et puis en fait, quand j'étais grand, j'ai décidé d'enlever les petits trous. C'est courageux. Pareil, moi, c'est toute ma vie, le skate. Au moins un mois. Un mois, deux chutes, j'ai arrêté. Pas très courageux. Il y a un peu de ça. Alors effectivement, il y a un truc qui est assez drôle dans ce jeu, c'est qu'il y a aussi des chutes. En particulier, les boucheries. Je vais vous en montrer. Le mode boucherie. Le mode boucherie, c'est autour du magazine Thrasher. Il s'agit en fait de se faire le plus mal possible dans une chute la plus spectaculaire possible. Et finalement, l'art de tomber, je crois que c'est ce qui nous correspond un peu le mieux ici à Gameology. Et, c'est l'art de chuter et de se relever. C'est comme le judo, quoi. Ouais, ouais. Ouais. Et là, je vais essayer de chuter sur quelqu'un. Pas mal. C'est ce qu'on me demande de faire, alors moi je le fais. C'est une sorte de burn-out du skate. Voilà, exactement. Tiens, en faisant l'inventaire, là, j'ai trouvé un jeu CBS ColecoVision qui s'appelle Zaxxon. Et c'est un jeu Sega. Ouais. Je croyais que c'était anglais, ces gars. Anglo-saxon. C'est mignon. Je voulais revenir quand même sur un système qui est assez drôle. C'est que j'ai fait donc le logo sur Internet, sur le site de Skate EA. Ouais. Et ensuite, on finit son logo et on l'envoie à la console. Et je trouve ça assez moderne comme procédé. Il y a des vérifications, on peut faire des trucs un peu osés, des trucs un peu coquins. On peut pas mettre... Oh là là, oh là, ouais, là, le... Voilà, donc je vais essayer de viser les passants qui sont en bas. Hop, par un saut de l'ange. Oui, ça y est, en plein dessus. Oh, joli. Ça a marché. Je suis fier de moi. Je suis bon quand même. Alors, c'est qui? Il y a les ralentis ou pas? C'est qui le skater pro? Ah bah là, je crois que c'est toi. Oh la vache. Le pro de la chute. Les sauts de malade. Bon, alors du coup, on valide ce jeu. On valide, c'est un bon jeu. Il est gameologique. Ouais, il est gameologique. C'est un vrai jeu gameologique, rigolo, sympa. Très bien. Eh ben, on va se garder un petit peu de temps pour la fin. Ouh là là, ouais, ça c'est impressionnant. Voilà, on y va? On y va, on se garde un petit peu de temps pour la fin, pour on vous réserve comme d'habitude une petite surprise. C'est parti. Alors Johan, tu vois que je suis un skateur professionnel. Je retire ce que j'ai dit, t'es ni gros ni moustachu. Je préfère. Voilà, et en plus, pour te le prouver, j'ai ramené ma planche préférée. Oh, la planche à découper. Voilà ton secret. Eh oui. Voilà pourquoi. Le secret des champions, c'est le saucisson. Oh là là. Alors on va se retrouver bientôt dans une nouvelle séance de Gameology. L'émission où on s'en paye toujours une bonne tranche. Oh, c'est bien dit. À très bientôt.